Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Pour ce numéro de troisième mi-temps, nous avons choisi deux thèmes. Nous parlerons de football avec la réconciliation Fédération ivoirienne de football, ministère des Sports et puis le rallye. On se pose encore quelques questions. Est-ce qu'on pourra avoir le Bandama au championnat du monde avec le président de la Fédération ivoirienne des Sports automobiles? Nous essayerons d'avoir quelques réactions, en tout cas quelques solutions pour aller à ce championnat du monde. Messieurs, merci d'être avec nous. Emebrière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Shingesan Bonsoir. Kouassi. Je vais demander au Koulibaly Seydou. Bonsoir. Messieurs les experts, nous étions au rallye Rachingessan Kouassi. Quelles leçons nous pouvons tirer pour espérer voir la Côte d'Ivoire, le Bandama au championnat du monde? La leçon est simple. Le Bandama 2014 a été d'une organisation de haut niveau. La preuve, c'est l'une des rares fois qu'on a une compétition automobile avec de l'assistance, une centaine d'agents de sécurité, deux hélicoptères, dont un hélico sanitaire, un autre hélico pour permettre aux chasseurs d'images, aux observateurs de survoler un peu la compétition. Il y a eu la complicité des villageois qui ont accompagné un peu le mouvement automobiliste et tout cela dans une très très bonne ambiance. On avait près de cinq ambulances, tenez-vous bien, et cela a permis à Michel Mouton, lorsque l'on disait le confrère de le sport, le super sport, pardon, Michel Mouton disait que c'est vraiment merveilleux de voir une telle organisation. Au niveau organisationnel, à mon avis, chapeau à Alain Ambrosini et son équipe. Cette équipe-là a gagné son rallye parce qu'on était tous tendus, on voulait voir la Côte d'Ivoire être bien notée, mais on a eu quelques ingrédients qui pourraient peut-être nous amener un jour à retrouver le championnat du monde. C'est pour cette raison, Emebrière, qu'on se dit comment repositionner ce rallye Bandama. Je pense que les pistes sont déjà là. Hein. Oui, effectivement. Alors, je voudrais dire un mot sur le président de la FISA, c'est Alain Ambrosino. C'est un compétiteur auto, mais il fait également de la moto et sa passion pour le sport automobile date du lycée classique d'Abidjan, c'est les années 68-70. Seulement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alain Ambrosino a pris en main une fédération sinistrée, véritablement sinistrée par la guéguerre que se sont livrées pendant plusieurs années le Nord-Fils et Kadi Engelbert, et puis par le fait que le rallye de Côte d'Ivoire avait disparu un peu des cartes des rallyes continentaux et même des rallyes mondiaux. Alors, Alain Ambrosino sait mieux que quiconque qu'il faut repartir de la base, c'est-à-dire gagner des points, donc points sur le plan technique, sur le plan de l'organisation, au niveau continental d'abord, et puis ensuite prétendre trouver une place au niveau mondial. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans le temps où eh bien, la Côte d'Ivoire s'était bien positionnée dans les rallyes africains, n'est-ce pas? Et puis, il faudra certainement beaucoup, beaucoup d'apports, hein, apports pour le ministère du Tourisme notamment, hein, pour qu'il rallye le Côte d'Ivoire peut-être peut présenter un gros intérêt. Mais il y a des échelons à gravir, échelons au niveau de la sous-région, échelons au niveau du continent, échelons au niveau mondial. Et à chaque fois, il faut multiplier les moyens par... Alors, Chouaniou, hein, comment repositionner ce rallye? Bon, je pense que ce rallye Côte d'Ivoire-Bandama qui a été créé, qui est organisé depuis 1969, qui a été créé par un certain Jean-Claude Bertrand, logiquement, aujourd'hui, ce rallye-là doit atteindre une dimension internationale. Parce que déjà en 1972, ce rallye a pris la dimension internationale, avec 4 000 km à parcourir en non-stop. Ensuite, en 1978, on a vu que le rallye de Côte d'Ivoire était le troisième rallye africain. Et puis, il y a eu cette dégringolade. Aujourd'hui, je pense que pour relancer le rallye, ce rallye-là a une dimension internationale, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, il faut forcément l'apport du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir ce rallye. Et quand vous voyez bien ce rallye, tout à l'heure, Rach le disait, les villageois qui sortent, mais il y a l'impact touristique. Il y a l'impact touristique, c'est important pour l'image même de ce pays-là qui se veut émergent. Mais il n'y a pas que le football, il n'y a pas que... Non, le rallye est un sport vraiment, est un très bon sport. Donc il faut une volonté politique
pour donner de l'impact à ce rallye-là. Et aujourd'hui, je le dis, il faut des moyens colossaux pour intégrer le calendrier mondial. Sans moyens, on ne pourra pas intégrer le calendrier mondial. Il faut des moyens. Alors, Koulibaly Seydou, est-ce que, pour vous, la Côte d'Ivoire a des chances devant le Gabon, le rallye du Gabon, le rallye de l'Afrique du Sud, ensuite du Kenya? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut avoir ses chances? Oui, la Côte d'Ivoire a ses chances. Et puis, il faut dire que la cartographie des compétitions automobiles en Afrique a nettement changé. Le Safari Rallye du Kenya n'est plus ce qu'il est. Et c'est pratiquement tous les rallyes qui ont plus ou moins changé. Et vous êtes, tout le monde constate aujourd'hui que le Dakar ne se déroule plus sur le territoire africain pour plusieurs raisons. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été longuement sinistrée, mais le bandement a une image qui est assez importante et assez vendable sur le plan international. Le bandement a un passé pour lui, parce que comme l'a rappelé Chualio, c'est vrai qu'en 2012 déjà c'était un rallye qui avait commencé à se positionner. En 2018, il était pratiquement un des meilleurs rallyes africains. Mais il faut aussi ajouter que dans les années 90, ces rallyes étaient déjà au niveau du championnat du monde des constructeurs. Et cela était important. Et comme l'a dit Brière, Alain Ambrosino, qui est un enfant de la maison, qui a été lui-même pilote dans les années 70, et qui aujourd'hui est à la tête de cette fédération, connaît bien quel est le mal qui ronge le sport automobile ivoirien. Et je pense qu'il est reparti vers les fondamentaux. L'an dernier, le rallye avait été assez bien organisé. Aujourd'hui, il est passé, cette saison, il est passé à une autre étape, une étape supérieure. C'est vrai qu'il y a toute l'organisation autour du rallye. Il y a la sécurité qui a été nettement renforcée cette année, comme l'exigent les nouvelles réglementations de la Fédération internationale. Mais il y a surtout le lobbying qu'il faut faire autour du rallye, parce que c'est une affaire commerciale et c'est une affaire de gros sous. Et quand on voit que Michel Mouton, qui est vice-présidente de la Fédération internationale des rallyes, était à Yamoussoukro pour suivre ces rallyes, quand on voit que Jean Todd, qui lui-même est le président de la Fédération internationale d'automobile, était sur place, je pense que ça, ce sont des très gros points que le rallye du Bandama vient de marquer et qui peuvent lui permettre. Tati, le vice-président qui est le directeur du championnat d'Afrique, il est intéressant de savoir ici qu'on a de réelles chances, Sébastien Ouyen. Pour être au championnat du monde, il faut avoir un circuit non cassant. Le Bandama n'est plus cassant. Il n'y a plus d'obstacles. Il y a eu des sorties de route, mais ça aussi, c'est le charme du rallye. Mais on a une piste très roulante, non cassante, ça c'est intéressant. Deuxièmement, ce n'est plus le rallye à long stop à des milliers de kilomètres. Non, on fait des circuits, des spéciales, et cela attire beaucoup de sensations. L'autre élément important pour aller au championnat du monde, c'est la sécurité. Sur ce plan, 10 sur 10 pour la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile. Le rallye non cassant, sécurité, assistance aéroportée. Je veux dire qu'on avait tous les atouts. Et puis, bon, on voulait dire ici merci à Côte d'Ivoire, à la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a invité Michel Mouton, qui a invité Jean Todt. Et ces deux ont demandé à Alain Ambrosino, est-ce que par rapport à l'invitation de la première dame, on ne puisse pas reporter un peu le championnat? Ce rallye devait être couru entre 3, 4 autres, mais on a reporté. Donc la présence de ces sommités a encore mis la pression sur la Fédération de sport automobile qui a redoublé de force. Je vous dis, c'est extraordinaire, ce n'est pas parce que je parle en tant qu'Ivoirien, mais je vous dis que tout ce que nous avons vu, ça n'a rien à voir avec les autres bandamas. Ici, c'était un bandamant des teams mondiales et je pense qu'on pourrait peut-être avoir de bonnes notes et aller au championnat. On va écouter le président de la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile, Alain Ambrosino. Bonsoir, président. Bonsoir à tous. Alors, à quand le retour de la Côte d'Ivoire au championnat du monde? Écoutez, je pense qu'il y a encore quand même du travail à faire. J'ose espérer qu'on n'ait jamais été aussi près et que d'ici un an, voire deux ans, on aura des chances de revenir au WRC. Alors, président, est-ce que il y a des moyens qui manquent pour réussir à entrer dans ce championnat du monde? Écoutez, les problèmes, les moyens, ce sont des problèmes financiers, bien entendu. Il est certain que pour réaliser une épreuve de WRC, c'est beaucoup plus cher qu'une épreuve d'ARC.
Donc, pour pouvoir y arriver, il est certain qu'il va nous falloir beaucoup de moyens. Avec ce que vous avez vu au niveau des pilotes, il n'y a pas de problème. Ce qui reste, ce sont les moyens. Tout à fait. Je pense qu'on est à même de pouvoir revenir au plus haut niveau. Nous avons les pistes. Michel Mouton qui a parcouru la longue spéciale de 62 km m'a dit que c'est tout à fait ce qu'il leur fallait pour une épreuve de WRC en Afrique, que c'était tout à fait ce qu'il valait pour le tourisme, etc. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, je le répète, c'est les moyens financiers qui nous manquent. Au niveau de la sécurité, je pense qu'on est également au point. Donc voilà, il n'y a plus qu'à nous de trouver le financement. Alors, Président, quand vous dites les moyens qui manquent, on peut estimer à combien ces moyens? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, je n'ai pas réellement de chiffres parce qu'on ne s'est pas posé sur le problème. Mais il faut savoir que ça coûte très cher. Pour vous donner une idée, ne serait-ce que l'engagement d'une épreuve WRC, c'est pratiquement 1 000 000 d'euros qu'il faut verser à la Fédération pour pouvoir être inscrite. Président, vous restez avec nous? Le temps de venir sur ce plateau. Vous restez avec nous. Messieurs, il y a deux pilotes ivoiriens qui doivent partir pour ce championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez qu'on a des chances d'abord? Est-ce que ces athlètes-là, ces pilotes, ont les moyens de pouvoir partir? Alors justement, c'est la question que je voulais poser à Ambro. Ambro, vous allez tout faire pour remettre le rallye de Côte d'Ivoire sur le calendrier des rallyes internationaux. Mais il y a cet aspect de la participation ivoirienne. Est-ce que nous pouvons, et c'est la question que je voulais poser en gros, est-ce que nous avons des pilotes d'un niveau qui leur permettrait de figurer honorablement et dans ce rallye de Côte d'Ivoire et dans les autres rallyes auxquels nous serions invités? Absolument. Je pense que les pilotes ivoiriens ont toutes leurs chances de bien figurer sur les autres épreuves. Il est certain que l'Afrique du Sud est une épreuve un petit peu à part parce qu'ils ont énormément de voitures très compétitives, mais je pense qu'ils ont leur chance. D'autant plus sur les autres rallyes tels que le Kenya, le Rwanda et le Madagascar et autres. Le président le disait, je pense que tout est dans les moyens. Vous savez, on a rencontré Gary, grand vainqueur de cette première épreuve du championnat africain. Il est quand même normal que ce garçon soit assisté, soutenu. Parce qu'il prend du précieux point. Dans un mois, il y a le championnat, deuxième épreuve du championnat d'Afrique. Alors, il est un peu embarrassé. Ou bien, il part avec sa voiture en avion, où il part pour une location de voiture en Afrique du Sud, où il paye une nouvelle voiture. Mettre la voiture sur le bateau, c'est un parcours d'un mois, alors que c'est dans un mois le rallye. Alors ce garçon est serein parce que son partenaire, pour ce qu'il a fait, il est bien qu'il soit assisté. Alors il est soit parti pour une location ou payer une voiture. Je pense que nos garçons, même avec Maurice Ferré, on peut, comme le président le dit, avoir des, même Fané, on peut titiller les David et bien d'autres. C'est pour eux, David et Juan Carlo, qui était vice-champion d'Afrique, qui a cassé, qui a été dominé par nos nationaux. Je pense qu'on a l'occasion de pousser un garçon comme Gary, qui n'a que 26 ans, qui a pour lui l'ambition, l'aisance du pilotage et ses prises de risques, ce qui font de lui ce grand garçon de la piste aujourd'hui. S'il a assisté, je vous assure qu'on aurait un champion d'Afrique de sport automobile. Allez-y, soyez-vous. Moi, je pense que c'est pas Gary lui me s'acheter une voiture pour aller compétir en Afrique du Sud. C'est comme si vous demandez à une sélection nationale, à des joueurs, de s'acheter des maillots ou des paires de chaussures pour aller jouer la Coupe du Monde. Je pense que, comme on le dit, il faut que l'État joue sa partition. Parce que ces mecs qui vont compétir en Afrique du Sud, championnat du monde, ils vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ils ont besoin de soutien. Le rallye, c'est un sport assez particulier. Il faut vraiment, il faut du soutien. Parce que j'ai lu l'interview du président de la Fédération internationale dans un quotidien de la place. Il dit qu'il estime que ce continent a besoin d'une compétition internationale telle que le Bandama. Mais si le président de la Fédération internationale qui fait cette déclaration, c'est que là, quelque part, le Bandama a besoin de soutien. Il faut réorganiser, il faut revoir le Bandama, donner
redonner au Bandama, c'est l'acte de noblesse. Parce que c'est une compétition qui nous a fait rêver lorsqu'on était gosse. Aujourd'hui, là, le Bandama, avec cette 40e édition, qui a gagné en maturité, il faut redonner à ce Bandama de son noblesse. Je suis d'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Et ici, ce n'est pas comme le football. Le sport automobile, c'est une compétition des concessionnaires. Si Garicou, par exemple, sur Mitsubishi, publicité mise à part, Mitsubishi vient pour dire, attention, ce garçon m'intéresse, je vais avec. L'État ne fait que mettre tout en œuvre par rapport à Yamoussoukro. L'État dégage quoi, les moyens pour abriter et accueillir les invités de marque, pour mettre la sécurité, pour mettre tout pour que la compétition ait lieu. C'est ce que l'État peut faire. Quand je parle des moyens, c'est l'État dégage des moyens. Mais l'État ne pourra pas payer une voiture à chaque pilote. Attends, monsieur, allons doucement. Quand je dis que l'État doit aider, qu'on appelle ses pilotes, mais l'État peut donner des moyens aux pilotes. L'État peut intervenir même dans l'achat même de voitures, même au niveau des impôts. Rabaisser un peu. L'État peut intervenir au niveau de la douane. L'État peut intervenir. Voilà pourquoi je dis que l'État, il faut que l'État intervienne. Parce que ces voitures-là, les douanes, ce qu'on appelle les frais de douane, l'État peut intervenir pour baisser les frais de douane. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que l'État intervienne à ce niveau-là. Je vais dire que le cas de la compétition automobile c'est un cas très particulier. Parce que là, en général, quand vous voyez tous ceux qui compétissent dans les championnats du monde, tant en constructeur qu'en pilote, ils courent dans les écuries. En Afrique, c'est assez difficile, il n'y a pas d'écurie. Et ce sont des particuliers qui ont leur voiture, qui courent avec. Et le rallye, il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Moi, je prends un exemple. Je me souviens dans les années 90, quand Shinozuka venait courir ici, le Bandama, à l'époque qui était au championnat du monde, il venait au moins au Bamou avec 80 personnes pour l'assistance d'une seule voiture. Plusieurs fois deuxième rallye. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc dans ces conditions, comme l'a dit Chualiou, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les sponsors sont pratiquement à la rue, hein, et ils se rétrécissent comme une peau de chagrin d'année en année. Et pour le sport automobile, il faut des sponsors assez lourds. C'est-à-dire il faut des poids lourds. Et le premier poids lourd de sponsoring ici, je pense que ça doit être l'apport de l'État. Autant on investit beaucoup dans le football, je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons le pilote capable de devenir champion d'Afrique. Je prends un gars comme Mori Ferré, je prends le jeune Gary Chan qui vient de gagner le Bandama après avoir connu deux ou trois malheurs dans les dernières épreuves. Je prends le cas de Bakary Fane, qui a été l'an dernier vainqueur du même Bandama. Et il y avait des vice-champions d'Afrique qui est venu deux fois au rallye du Bandama. Et deux fois, il n'a pas pu gagner devant nos pilotes. Donc ça veut dire qu'il y a le potentiel, il y a le talent qui existe. Maintenant, il faut leur donner les moyens. Les aider. Et là aussi, il faut que l'État joue. Alors, Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, est-ce que vous voulez partager quand même un souci avec nous? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Alors, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un cri de cœur quand même? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je ne reçois pas votre question. Est-ce que vous avez un cri de cœur avant de vous laisser partir? Écoutez, oui, comme vous nous en parliez très justement, on est à la recherche, bien entendu, de sponsors pour essayer de faire ressortir nos équipes, telles que Fadé Bakary, Gary Chen et Soumaoro Moriféré. Et espérer, à l'aide de ses sponsors, remporter le titre de champion d'Afrique et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas arrivé depuis fort longtemps, puisque j'étais le dernier pilote ivoirien à ramener un titre de champion d'Afrique des rallyes. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Je pense que l'État va essayer d'aider ses pilotes. Rachinguesan, allez-y. Je disais que tout à l'heure, Zélu parlait de... On a des écuries. Une des particularités, on en parle peu, hein, c'est un peu Bakary Fane. Fane Bakary a une écurie extraordinaire, il faudrait souligner, et ça demande au moins un reportage. Fane Bakary est le pilote sur Subaru Impreza. Copilote Bakary Mustapha. Il a deux voitures qui sont en course Peugeot 205 GTI.
Le pilote s'appelle Fandé Ismaël, assistant Fandé Mamadou. Deuxième GTI, 205, Fandé Soumaoro, Fandé Ouma, je crois. Tout est Fandé. Le mécanicien chef, en chef de l'écurie Fandé, est un Fandé. La restauratrice est une Fandé. C'est extraordinaire. Jamais vu au monde de vrai, une écurie de Fandé. Alors, mais malheureusement, ce Fandé-là, la famille Fandé a été tout simplement Fandé parce que la compétition était tellement rude que Fandé a été tout simplement Fandé à Yamoussoukro. Mais il fallait le souligner parce que c'est une écurie à soutenir. Et comme le président le dit, si nos garçons ont les moyens, honnêtement, Gary, Mori Ferré, Fandé, Moulinet et bien d'autres peuvent rivaliser dans deux avec les Grand Cardo et bien d'autres joueurs. Je pense qu'il faut donc encourager ce Bandama, il faut encourager ces pilotes de la Côte d'Ivoire parce qu'on a de réelles chances. Et nous pensons, Aimé Brière, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Oui, effectivement. Il faut parler également de certaines gloires sur le plan local. Alors, Michel Mouton a gagné avec Audi Quattro la compétition en 1978, je ne sais plus. Mais attention, il y avait Aou Salim qui avait compéti également et qui a terminé. Ils n'étaient pas beaucoup à terminer à ce moment-là. Et puis, il y a Mafal, il y a Kadi Engelbert. On a de grands pilotes en Côte d'Ivoire. Oui, par exemple. Et allez dire à Aou Salim que le rallye du Bandama est roulant. Il va vous dire, faites un tour sur le tronçon Ara-Kregbe. Vous allez un peu voir comment ça se passe. Mais vraiment, les choses ont changé. Maintenant, tous les rallyes se courent avec un point de ralliement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de kilométrages qu'il ne faut plus dépasser. Et puis, c'est un circuit fermé pratiquement. C'est-à-dire que vous êtes à Yamoussoukro, on fait une sortie, on revient sur Yamoussoukro. C'est des boucles. Voilà, c'est des boucles pratiquement. Et tous les rallyes maintenant, au niveau du championnat du monde, dernière intervention avec vous, Choléo. Oui, justement, on parle de Michel Mouton. Peut-être que pour les plus jeunes qui nous suivent, il faut rappeler quand même que c'est la première pilote professionnelle dame qui a gagné une grande compétition de rallye. Une manche. Ça veut dire que la première Choléo, femme, la première qui parle femme de jeunesse alors que vous êtes assis là, a été ivoirienne. Non, je dis pour les plus jeunes. Ce qui a marqué un peu les Ivoiriens, c'est que cette dame était, comme vous l'avez dit, la première dame au volant d'une Audi. Elle n'a pas gagné, mais elle a terminé quand même. Mais ce qui a marqué les Ivoiriens, c'est qu'au départ du rallye de Bandama de 1982, au moment où on devait faire le top départ, un coup de fil tombe, elle apprend qu'elle a perdu son géniteur. La dame était en pleurs, mais elle était au volant de sa Audi Quattro. Elle a tenu. En passant par Taï ou autre, Alain Aimé en parlait tout à l'heure, où l'épreuve était très rude, elle a terminé, même si elle n'a pas gagné. Et cela a marqué les Ivoiriens. Et ça a venu en tant que marraine pour le 40e Bandama, ça a donné encore de l'émotion. En 1982. Alors, c'était en 82. C'est cette année-là que la Côte d'Ivoire a perdu sa place en championnat du monde. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Oui. Non, mais après. Vous avez écouté. Au championnat du monde des constructeurs. Non, on était en championnat d'Afrique. Voilà. Vous avez écouté Choléo. Sinon, au championnat du monde en 92-93, la Côte d'Ivoire était revenue au championnat du monde. Choléo, vous parlez des plus jeunes. Hein. Voilà, messieurs, merci pour ce premier sujet. Nous allons passer au deuxième sujet. Il s'agit donc du football avec la réconciliation Fédération Ivoirienne de football, ministère des Sports. Messieurs, nous ne sommes pas très loin de la Coupe du Monde au Brésil 2014. C'est donc quelques mois seulement qui nous séparent. Que cache, selon vous, cette réconciliation? Eh bien, nous pouvons penser qu'elle ne cache rien, bien au contraire. Elle met au grand jour la nécessité d'une collaboration harmonieuse entre les deux structures qui doivent mener notre campagne en Coupe du Monde. Et c'est un exemple qui vient du haut, c'est un exemple que nous devons suivre à tous les niveaux. Et nous n'allons pas revenir sur ces différents points, mais il est certain que la FIF et le ministère ne sont pas d'accord sur tout. D'accord? Il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Néanmoins, ils ont vu la nécessité de collaborer harmonieusement pour que la Côte d'Ivoire réussisse une campagne de Coupe du Monde 2014. Et quand je dis que l'exemple vient du haut, bien c'est un exemple à suivre pour tous ceux qui participent à cette expédition. Et quand je parle de participer à cette expédition, je ne dis pas seulement les acteurs, les joueurs, mais c'est tout le monde, tous les observateurs, tous les journalistes, n'est-ce pas? On ne peut pas être d'accord sur tout. Néanmoins, on a une équipe, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. On a un espoir
qu'elle aille le plus loin possible et qu'elle contribue au prestige de notre football, au prestige de notre pays. Rachid Sankwasi, cette rencontre ne cache rien. Je pense que je voulais un peu rectifier votre question. Cacher, je voulais plutôt dire que vaut cette réconciliation. Quel est le coût de cette réconciliation? C'est, le coût de cette réconciliation, c'est 2 milliards et quelques. Il a fallu que M. Ouattara sorte le chèque et que son premier ministre exécute que subitement une fédération se met à la table de décision. Rappelez-vous quand on est revenu de l'Afrique du Sud. C'est le ministre même, patron de la tutelle du sport, qui court pour aller à la fédération. Même quand le président a été convoqué, il n'est jamais venu. La dernière convocation, il a dit être malade. Bref, je vous dis que s'il se réconcilie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit chèque qui réunit tout le monde. Mais après le mondial, ils vont encore s'entre-déchirer. Parce que ce n'est pas sincère. Donc je voulais dire que s'ils se sont réconciliés pour qu'on parte au Brésil, merci monsieur. Vous avez créé la sincérité. On finit de partager et puis on reviendra dans notre guéguerre. Ça, ce n'est pas une réconciliation. C'est une réconciliation de façade. Il faut être précis, il faut être clair. Il y a de l'argent à partager, ils vont partager et puis on reprend la guerre. Voilà. Soilio, non, je pense que tout est une question d'argent. C'est l'argent qui les a réunis. Parce que vous ne pensez pas que c'est pour l'intérêt de la nation? Non, mais,